hartelijke welkom in het flamboyante, zo pas vernieuwde Afrika Museum. Mettre notre pays davantage en ordre pour être plus attractif demain et après-demain pour les investissements et de voir aussi domaine par domaine avec une logique de choix et donc de priorité comment on peut veiller à ce que l'argent privé et public soit méticuleusement utilisé pour avoir une valeur utile, une valeur ajoutée pour faire en sorte que l'on puisse doper, booster la croissance et faire en sorte que l'on puisse engranger un certain nombre de résultats. Il y a devant nous une opportunité très importante d'embrasser les nouvelles technologies, de créer les réseaux du futur, d'utiliser l'intelligence artificielle, d'utiliser le blockchain, l'Internet des objets, pour améliorer la compétitivité des entreprises et du coup indirectement favoriser la croissance et aussi l'emploi. En ook is het belangrijk eigenlijk België door zijn locatie in het centrum van Europa om eigenlijk een energieplatform te maken, waardoor eigenlijk energie van zuid naar noord gaat. En dat is dan eigenlijk ook goed voor de competitiviteit van onze prijzen. La Belgique, comme je l'ai dit, est très forte en biotechnologie. Nous avons pensé qu'il faut continuer à créer un fonds d'investissement pour du capital à risque qui est investi dans les biotechnologies. Aujourd'hui, c'est vraiment la révolution qui se passe dans le domaine digital, dans la gestion des données. Et je crois que c'est ça qui fera créer l'hôpital de demain. Mais il faut revoir tout le système et je crois qu'il faut oser le faire. Als ik vandaag van Oostende naar Tervuren wil komen, dan moet ik een treinticket kopen, een metroticket, een busticket en misschien nog iets anders erbij. Als je een datalake hebt en één grote datapool, dan kan je een vervoersbiljet kopen van bij mij thuis tot hier. Comment financer ce pack d'investissement? Les capitaux sont là, sont présents et les taux d'intérêt sont historiquement faible. C'est extrêmement important de bien comprendre que dès l'instant où on travaille dans un partenariat public-privé, où la gestion des projets sont confiés au privé, il y a une possibilité de déconsolidation. Ik heb gelezen in het plan dat het uitgaat van een ambitie. Ook een positivisme heb ik erin gezien. En gebaseerd op de sterke troeven die wij in België hebben. Ik zie ook dezelfde ambitie bij heel veel ondernemers waar we mee in contact zijn. En ik denk dat het duidelijk is dat ambitieuze ondernemers ook een ambitieuze overheid als partner nodig hebben. Le document de base qui a été élaboré par le comité stratégique est un document d'une très grande ampleur. Et modestement, qui à bien des égards dépasse d'ailleurs un certain nombre de points tels que nous les avons élaborés. Donc. Er zijn geen wondermiddelen, er is veel geld op de markt, er is goedkoop geld op de markt, maar je moet met respect van de Europese begroting zich eens kunnen investeren. En dat betekent dat je budgetair keuzes moet durven te maken en dat vergt ambitie, dat vergt moed. Ce cercle vertueux positif que je voudrais souligner en cette fin de matinée et auquel, comme toutes les personnes présentes ici, je souhaite pouvoir apporter mon concours inlassable, laborieux et j'espère positif. Ce plan stratégique est d'une grande importance pour la communauté germanophone parce qu'il permet à tout le pays de développer des synergies, de collaborer, d'agir ensemble et d'être donc plus cohérent et plus efficace. De grote uitdaging nu zal zijn om in de jaren die komen deze filosofie, waarvan ik denk dat ze ook heel juist is en waarvan ik feitelijk alle details nu wil kunnen lezen in de documenten die ons zullen worden overgemaakt, om deze filosofie concreet te maken, in daden om te zetten. Tout le monde doit être placé devant ses responsabilités et les prendre. Samen met alle partijen, alle stakeholders, publiek en privé, moeten we een team samenstellen van de greatest minds die het algemeen welzijn nastreven op basis van expertise, daadkracht, visie en commitment.